très bien par la grâce de Dieu. Donc là, je suis avec Joshua et maman. Donc là, on va faire un vlog et là, nous sommes dehors. On va commencer par aller au coiffeur pour coiffer Joshua. Et ensuite, nous, on ira à Auchan. En fait, on habite dans un centre commercial. On est à côté d'un centre commercial. Il y a plusieurs magasins, il y a coiffeur, etc. Donc c'est à Sarcelles. Donc du coup, on va aller là-bas et on va aller à Auchan. C'est plus de Cardi B, on dirait. Bref. Et donc du coup, on va coiffer Joshua et après on va faire quelques courses et suivez-nous, c'est parti. Non, ça t'a même pas dit bonjour, moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait tu m'as pas vu, mais moi j'ai fait le McDo. Nous sommes à Auchan, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, nous sommes en rayon fruits et légumes. Là, il y a la main. Donc là, on est en train de peser les légumes. On a pris de ça. On a de la tomate. Ça, c'est quoi? De la courgette. Et comment s'appelle? Aubergine. Tout au c'est flou, ouais. Ça pique. Elle est là-bas. Là, elle a pesé. Il y a un truc là. Vous avez vu qu'il y a une course, et là on va besoin de ça chez le coiffeur. Donc voilà. Donc là on est chez le coiffeur. Le chat il est là-bas. Les deux. Voilà. Mais viens là. Donc là maman est en train de payer. Salut à tous, donc là on va faire la suite de notre vlog. Là nous sommes rentrés, on a terminé les cours, je suis allée bien propre, bien coiffée, etc. Donc comme là moi je vais faire mon sac à sac. Donc maintenant on va faire du pondou, moi je vais faire la recette que je vous avais, que j'avais déjà faite sur la chaîne. Donc c'est un gratin de pâte à la viande hachée et je vais faire un second gratin au lardon. Suivez-nous, c'est parti. Voilà. Donc moi j'ai déjà mis mes pâtes au feu, ça prend de vous dire, et maman vient de mettre son poulet au feu aussi. Voilà, j'ai mis les oignons, de l'ail, tout est déjà nettoyé et bien propre. De l'ail, d'accord. Voilà. Ensuite, j'ai oignon bot, j'ai poivron vert, piment vert, j'ai courgette et ensuite j'ai quoi d'autre? Je suis en train de mettre mes condiments. Là, elle est en train de mettre tous ses légumes quoi, du pondou. Bon, peut-être qu'on fera peut-être une autre fois une recette du pondou, là c'est juste un vite fait. Oui, là c'est juste... Un vite fait, on refera peut-être la recette du pondou, maman va la refaire. Parce que là c'est un vite fait, comme ça un vlog, on va pas vous expliquer tout en détail tout ce qu'on fait. Donc c'est juste ça quoi. Voilà. Donc moi, et voilà, et là, je fais comme ça, et je vais laisser cuire un peu. Et il y a déjà de l'eau. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Mmh.
là, les amis, hein, mes pâtes, ils sont cuites. Et maintenant, je vais faire ma gaufre hachée. Mais c'est pas toi qui fais. Donc, je vais mettre de l'huile. Maintenant, je vais mettre les petits ingrédients. Je t'aide, non? Non. Je veux pas. Attends. Ça c'est pourquoi? Ah oui, là l'autre. Oui. Hein. Maintenant je vais revenir mes oignons. Toi t'aimes trop dire de me revenir, oui. Moi je dis mélanger. C'est un tango là. Comme les africains, comme les congolais disent. Les français, la tango. Dans le théâtre, ils disent ça. Coupé. Attends. J'ai compris. Là, je te mets un peu ça. Ça me reste coché. Donc là, les gens, ma sauce est bientôt prête. Tout est prêt. Voilà. Je vois ça, moi, ça. Donc, ma sauce bolognaise, elle est prête. Hein. Ouais. Donc, du coup, les pâtes aussi. Donc, du coup, maintenant, je vais verser la sauce dans les pâtes. Et je vais laisser encore mijoter pendant 5 minutes. Voilà. Et après, je vais mettre ça dans mon plat à gratin. Voilà. Et j'ajouterai du fromage dessus. Okay. Donc, là, tu vois. Allez, tu laisses ça. Non, allez, décaler. Bon, vas-y, je vais te le faire. Mais ça va pas ça. Tu mets ça. Et voilà. Mélanger, tu mets ça d'abord, tu mélanges, tiens. Donc là, les amis, mes pâtes à la bolognaise sont prêtes. Maintenant, je vais pouvoir les verser dans le plat et puis par la suite, je vais mettre le fromage râpé au-dessus et je vais laisser ça quelques minutes au four. Donc re-coucou les amis, donc là notre gratin est presque prêt, notre gratin est juste ici, il reste juste que je le mette au four, donc la durée de temps c'est à peu près 15 à 10 minutes. J'ai mis d'autres sortes de pâtes car je vais faire un deuxième gratin au lardon, et donc maintenant j'attends que les pâtes y cuisent et j'ai fait des pâtes différentes. A tout de suite. Donc là les amis, notre gratin à la viande hachée bolognaise est prêt. Maintenant je vais attaquer à faire le second gratin au lardon. Les pâtes sont déjà cuites donc je vais commencer. J'avais déjà mis un petit peu d'huile. Donc j'ai mis de l'huile un peu dans la casserole, j'ai mis des oignons. Aïe. Là on met les lardons. Donc là je suis de retour les amis. Donc là nous avons le plat ici. Juste là. Notre... Donc voilà, là nous avons notre plat. Je vais servir mon petit frère car il a vraiment faim. Il n'a pas encore mangé. Donc voilà. Et là, je vais le servir. Oh, c'est bon. Là, maman est en train de faire chauffer son huile de palme avec la casserole pour pouvoir faire son pot doux. Donc je la laisse avec vous. Bien le palme.
ouvert. Tu continues à cuire. Tu m'as dit quoi, tu vois? Lave tes mains. Voilà, tout ça, ça, ça. C'est pas encore prêt. Hein. Donc là, les gens, je vais mettre mes pâtes qui sont déjà cuites dans la sauce. Donc il y a les lardons et la sauce. Attends, je vais tourner. Voilà les amis, notre vlog notre est terminé. Vlog est terminé. Est terminé. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à abonner, liker, partager, commenter la vidéo et voilà quoi. Voilà les résultats de nos repas. Donc voilà ce que ça donne. Donc, pour le premier plat. Et le deuxième plat, ça donne ça. Voilà. Je suis trop petit en fait. Pondou de maman. Donc voilà, elle vous refera la recette en beaucoup plus mieux. Donc voilà. Et ensuite là, on a du bokeh. Comment on appelle ça en français? Je sais pas, mais... En gros, c'est du poisson. C'est du poisson. C'est du poisson. Préparant en vapeur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager. On fait de gros bisous. Bye bye.